السلام عليكم أعزائي التلاميذ، تلاميذ سبعة تالتة ثانوي، مرحبا بكم في فيديو اليوم اللي راح يكون ريزومي ولا ملخص للنص التاريخي برومي بروجي بور توت لي فيليير، يعني لاتري لونغ، لاتري فيلو، سيونس، مات تكنيك، جيستيون، ايكونومي. Alors, avant d'aller à notre cours ou à notre activité, j'espère que vous cliquez sur j'aime la vidéo, vous la partagez et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Alors, on y va. C'est un texte ou document, le narrato informatif. Narrato informatif, c'est la typologie ou le type du texte. Donc c'est un texte narrato informatif, yani l'auteur il narre, il raconte, c'est un texte narratif informatif. Yani l'auteur fait un yahki, pour donner des informations sur un événement historique, yani sur des événements. Voilà, il narre pour informer. C'est pour ça que c'est mieux un narrato informatif. Sur quoi l'auteur informe-t-il? Yani les informations, l'auteur sont sur quoi? Il informe sur un fait, un événement d'histoire. Yani ala hadat tarihi. Pour cela, il donne des informations. Son âge, Farhat Abbas, Henri Benzet, les personnages, le FLN, la LN, Maharata, du peuple algérien, manifestation du 8 mai, Hadouma, l'histoire selon la visée communicative. Donc, on a des caractéristiques, Hassa, Snos, Thierry, Hasb, la visée communicative. Que tu veux de la visée informative, qui fait Schnarf, Billy, le texte, la visée interro ou la visée de l'auteur. Elle est informative. L'auteur est absent. Yani l'auteur maouch hadr, maouch gadi met firayouf le texte. N'goulou, il est absent. Il est objectif. Il s'efface pour informer. Donc, là, l'auteur, il faut de l'icône absent. Il s'efface dans le texte. Il ne se manifeste pas. L'utilisateur ou ma kalimat. وسائل يستعملهم لوتور يستعملهم الكاتب في النص نتاعو باش يبين الحضور نتاعو بطريقه غير مباشره يعني دون فاسون انديريكت هذه هي طريقه ديريكت سي اكسبليسيت وهذه هي انديريكت هذوما لي موداليزاتور يقدروا يكونوا دي ادجكتيف دي ادفيرب دي نون كونديسيونيل اون كيستيون اكسيتيرا انا امبلوا دو لا فراز دونك هذوما كيو لوتور اوبجيكتيف مي كونوش لو تيكست كي تلقى لو تيكست مي فيش هادو les modalisateurs, la fiche, les indices de la première personne, mais l'auteur, il est objectif, la visée est informative. En absence de modalisateur, emploi de la phrase nominale, jumlan ismiya, discours direct inséré dans le texte, les témoignages, les témoignages, le texte, l'auteur fait le texte, donc témoignages ou paroles de personnages ayant vécu l'événement, yani shahadat ou la aqwal, ashras, ashou, adek, al-hadat. Pour authentifier le fait relaté et pour plus de crédibilité. L'auteur, pourquoi il insère des témoignages dans le texte? Le but, c'est authentification et crédibilité. Il y en a pour le croire, pour montrer que ce qu'il est en train de raconter est vrai et réel. C'est la crédibilité de l'événement. يعني بلي راهو الشيء اللي يحكي فيه راهو صحيح علاه باسكو هو جايب لك الشهادات نتاع الاشخاص اللي راه اللي عاشوا هذاك الحدث عندنا امبلوا دو لا تورنور باسيف نلقاو لا تورنور باسيف بارفوا سان كومبليمون داجون يعني لو كومبليمون داجون ما فيهاش دونك من بعد في في لا سويت نتاع لو ريزومي راح نتكلموا على la forme active et passive. Par exemple, là, les Algériens furent torturés. Les Algériens furent torturés. Passage à la forme active. On tortura les Algériens. Là, la phrase Kingoulou, les Algériens furent torturés, mais n'est-ce par qui? Par, mais c'est effacé. L'agent et le complément d'agent
ايتي فاسي معناتها الكومبليمون اللي قام بالفعل معناتها شكون اللي عذب الجزائريين هنا لا فراز ما قلناش شكون هما اللي عذبوا الجزائريين دونك هنا الجزائريون عذبوا من طرف ما قلناش من طرف دونك هنا لو كومبليمونتاجون اي فاسي في لا فراز كي نروحوا نردوا لا فراز نردوها اكتيف نقولوا اون تورتورا لي الجزائريين يعني نستعملوا لو برونون انديفيني اون ونحطوا لو فيرب في لو طون دو لوكسيليير شوفوا هنا فور او باسي سامبل نحطوا لو فيرب هنا اون لو كونجوغ او طون دو l'auxiliaire. Puis, le sujet devient complément d'objet direct. Allez, comment passer de la phrase passive à la phrase active. Emploi des indicateurs spatio-temporels. Bon, spatio, il y a l'espace, le lieu. Temporel, il y a le temps. Bon, l'espace, on a Steve, Gelma, Krata, Paris. Temporel, le temps, on a 8 mai 45, donc les dates, 17 octobre 1961. 60, pardon. On a également aussi emploi des temps du passé, passé simple, imparfait, passé composé, présent de narration, pour actualiser les faits, yani pour faire revivre les faits, pour faire revivre les faits. Le fait avec l'auteur il semble des fois le présent de narration les voix présent de l'indicatif et en effet ça serait fondéro c'est le présent de l'indicatif pour actualiser les faits yani pour rendre les faits yani plus vivant il خلي القارئ اللي يقرا le texte يعيش هذاك l'événement donc ça c'est pour le présent de narration. Voilà, donc ça c'est pour les caractéristiques du texte historique avisé informatif. Alors je vous laisse et on va se voir, on se verra, Inch'Allah, la deuxième visée ou là, les caractéristiques avisées argumentatives. À la prochaine vidéo. D'histoire avisée argumentative. Et là, je suis désolée pour ma voix. Ah, c'est avec l'enseignant, il n'arrête pas de parler, voilà, il vient me sortir la classe, aussi de les enregistrements, etc. Donc je suis vraiment désolée pour la voix. Alors, les caractéristiques du texte d'histoire à visée argumentative. Donc, la première fois, en vidéo, en une seule vidéo, on va faire une vidéo, et on va faire aussi une playlist. Chaque partie ندirها وحدها في la playlist ومن بعد ندير لكم un montage ندير لكم toutes les vidéos هادو en une seule vidéo j'espère يعني vraiment هنا راح نلبي الرغبات نتاع جميع اعزائنا التلاميذ اللي نحييهم سورتو لي زيلاف اللي عندهم باك نحييهم من هذا المنبر ونتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق alors rendre hommage donc les هادو la visée argumentative عندنا rendre hommage commémorer une date analyser et commenter un fait, dénoncer un acte ou un comportement. Donc on va les détailler. Les caractéristiques citées pour la visée informative, comme les indices spatio-temporels, le temps du récit, etc., plus la subjectivité de l'auteur. Les caractéristiques, les caractéristiques de la visée informative, qui est aussi le texte, avisé argumentatif zid donc les dates les lieux les personnages les faits etc plus la subjectivité de l'auteur yani هنا l'auteur hadr il est présent dans son texte il donne son point de vue donc il se manifeste il est là il est dans son texte. Donc la subjectivité de l'auteur c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a la subjectivité? Parce que vous avez une question relevée du texte 4 par exemple indice de subjectivité. Donc là c'est un peu là où il y a la subjectivité. Parce que quand il y a des élèves ils ont des messages que ce soit sur les réseaux sociaux Facebook, Snapchat etc. Ils ont dit que madame subjectivité, yani champ lexical. Donc, ils font pas la différence entre le champ lexical et la subjectivité.
Alors, la subjectivité, c'est pour ça que la traduction, elle est nécessaire pour ce genre d'élèves. La subjectivité, c'est être subjectif, agir, subject. Chouf, on a subject. Chouf, on a dit la partie. Ah, subject, il y a un sujet. Sujet. Sujet, un a, moi, l'auteur. Donc, subjectivité, il y a ad-dhatiya. Ou l'objectivité, il y a al-mawdouiya. L'auteur moudoui, il parle mal moudoui, mais il ne s'en sort pas. La subjectivité, il est subjectif, il s'en sort pas, et il s'en sort pas dans le texte. Alors, c'est la présence de celui qui parle dans son texte. Aïna, c'est la présence, je vais souligner. C'est la présence de celui qui parle dans son texte. Elle peut être explicite ou implicite. Explicite, yani Ouattara, Moubechra, direct, implicite, Rélemoubechra, indirect, Monsieur le Kalem. Yani, d'après les mots, le Kalimet, l'Issamilam, l'auteur, il est présent dans son texte. Blamé goul je. Hénaoui goul je. Aïbéna, Ouattara, direct. Hénaoui, Samish le je, elle est implicite. Mbad, je fouchou, le Kalimet, l'Inakdrou, Ngoulou, Billy, l'auteur, il est présent sans le je. Donc, la présence est explicite. L'auteur peut marquer sa présence par l'emploi des indices d'énonciation de la première personne du singulier. Yani, il les pronoms personnels de la première personne. Kengoul la première personne, yani, du singulier et du pluriel. Yani, je, me, moi, etc. Nous, notre. Je, me, mes, mon, ma, nos, notre. De coule de la première personne. Il s'agit d'une présence directe de l'énonciateur. J'ai tout détaillé. La présence implicite, yani, indirecte, lorsque l'auteur marque sa présence d'une manière indirecte, yani, bitarika par l'emploi de modalisateurs. Alors, c'est quoi les modalisateurs? Les modalisateurs ont le lexique appréciatif ou dépréciatif, c'est-à-dire lexique positif, milieu appréciatif, yani positif, ou dépréciatif, négatif, amélioratif, péjoratif, positif, négatif. Donc, lesquels gardent dire fait l'éloge, plutôt gardent. قاعد يمجد قاعد اللي طونطران دو روند روماج يكرم اكسيتيرا راح يستعمل لنا ان ليكسيك بوزيتيف لو كوراج دي الجيريان اي سون كوراجو اي سون براف لا برافور هادو كامل سي ان ليكسيك ميليوراتيف اللي كان راح يل دينونس راح يندد بلو كاركتير سوفاج دي كولون تاع المستعمر راح يستعمل ان ليكسيك نيجاتيف هنا تقولوا لي كيفاش راح نفهموا بلي الكلمه هذيك بوزيتيف ولا نيجاتيف هنا ترجع دي فوا جو سي با كان بيتيتر هنا دو كيسماني يقول لي مي كوسك جو زيت اون تران دو دير نو سي فري ليكوت دي فوا كون فو زيكوتي ان مو كي تسمع كلمه تبان لك اسكو راهي بوزيتيف و نيجاتيف وهذه ما نيش نقول فيها هكا برك هذه سي دي تيست كو جي في durant toute ma carrière, hein, toutes mes années d'enseignement, mes élèves ont des mots, des tests même. Voilà, on va faire un test. Je prends des mots négatifs et positifs. Par exemple, pacifique, mais je suis dans un texte, hein, des mots pacifique, positif ou négatif. Positif, calme. Ben, Gouloudi, madame, ben positif. Ordre, ben positif. Bienveillant, il fait bien. Positif. Héroïque, brave, bravoure. Tchis bihabli positif. Hanan samlou l'his bark. Bon, mishmanet, ça c'est des sciences exactes, mais ishihad, c'est tout. Courage, courageux. Lexique péjoratif, violent. Violence, sauvage, cruel. Regardez la prononciation. Cruel, cruauté, impitoyable. Haineux, la haine, etc. Donc, il y a des fois, qui coule le mot, on a refouché, il y a des fois, on a dit, c'est tout. Ces mots peuvent être des adjectifs, des adverbes
ou des noms, yani des adjectifs comme courageux, violent, sauvage, des adverbes comme courageusement, sauvagement, cruellement, violemment, etc. Il y a généralement le mot à la fin. Ça qui connaît le mot, la racine, tu connais un verbe, tu connais un adjectif, attention. Ou des noms, comme le courage, la bravoure, l'ordre, le calme. Des indices de subjectivité, un lexique péjoratif ou mélioratif. L'interrogation rhétorique. Aussi, l'interrogation rhétorique, il y a lorsque l'auteur pose une question et n'attend pas une réponse. يعني لو الكاتب يطرح سؤال في النص نتاعو ما ينتظرش إجابة، ما يسماش إجابة هنا، بارفوا سي لوي كي ريبون. دونك كي نترجموها للغة الأم العربية اللي ما نستغناوش عليها، يعني تساؤل، يتساءل. كاين فرق بين يطرح سؤال وبين يتساءل، سي سكون أبيل أون كيستيون ريتوريك. عندنا أوسي la phrase exclamative, يعني الجملة التعجبية، هاني حطيت هنايا العلامة، جملة تعجبية. Quand il s'agit d'un étonnement, l'auteur il est étonné, شو الحيرة هكذا، d'une surprise, il est surpris, il s'amène avec le point d'exclamation. Le mot conditionnel, le conditionnel présent. عندنا le R du futur. كيفاش نعرفوه؟ On a le R du futur plus la terminaison de l'imparfait. Là, c'est le conditionnel présent. Exemple, la France reconnaîtrait ses crimes en Algérie. Là, elle reconnaîtrait. Possible. C'est un fait possible. Yannina, le conditionnel peut avoir plusieurs valeurs dans le texte d'histoire. Le doute, check. L'éventualité, un fait possible. Le souhait, amener l'hypothèse. Faradia. Les figures de style, la comparaison, la métaphore, la personnification. Ok, d'autres bien sûr procédés figures de style. La comparaison est le muqarana, le comparé, le comparant est l'outil de comparaison. La métaphore, c'est-à-dire le kalima hadik li nistamlouha bach nchadbou, comme, identique à, semblable à, par exemple, ressemble à. Donc, nasmiwa une métaphore, par exemple, on a aucun des exemples, mais les exemples. La personnification, il y a, la personnification, il y a, lorsque. Lorsqu'on donne les qualités d'un être humain à un objet, yani nmeddou sifat chkhsiya li chay, la table marche, elle marche pas. Qui m'a dit que le texte histoire du 8 mai, l'auteur qui gèle le sang à plat le sang. Le sang n'appelle pas, c'est les êtres humains qui appellent. Donc on a medd sifat ta chkhs medha le dam. باش يعطينا الصورة يوصف لنا يوصف لنا لاكسيون دي فرونسي الإبادة اللي دارتها فرنسا لو 8 مي 45. لي بروسيدي لي بلوز يوتيليزي سون لا كومباريزون، إتابلير دي ريسومبلونس أنتر دو شوز، هنا لا كومباريزون، بيرسوناج دو شوز، ريسومبلونس يعني تشابه. إكزومبل لي فرونسي سون كوم دي مونستر. La guerre d'Algérie. Anna, comparer les Français comme outil de comparaison des monstres comparants. La métaphore, c'est une comparaison mais sans outil. Mais fiche le voici là. Exemple, les soldats sont des monstres comparés, comparants. Mandi, je ne le mets. Pardon, l'outil comme. ما عنديش الوسيله اللي ندير بها التشابه، نحط غير المشبه والمشبه به برك. هنا نفهم باللي كاين وجه شبه بيناتهم، سيت اون ميتافور. بون هنا ما نقدرش نترجم لكم الصوره البيانيه باسكو كاين كونفيزيون بيناتهم، تشبيه البليغ ولا هذيا. هنا انا نشرح لكم اون فرونسي. لا فيزي كومونيكاتيف،
informatif. Donc, هنا كي نحس بلي je peux vous induire en erreur, je traduis pas. يعني كي نحس بلي قادر نعطيك حاجة ماهيش هي ما نترجملكش. علاه؟ باسكو الصور البيانية ماهيش من اختصاصي أنا في اللغة العربية، من اختصاص أستاذ اللغة العربية. أنا نعطيك ممكن معنى تكلمة سي تو، بصح باش ندخل في درس مش من خصوصياتي أنا، خاص بأستاذ اللغة العربية الأدب العربي. هنا راح نتعدى على المادة تاعو. دونك هو اللي يقول لك هنا لا كومباريزون هي تشبيه، مي هنا لا ميتافور يقول لك تشبيه بليغ، مي هنا مش بي با فو دير بلي تشبيه بليغ ولا لا، باسكو كاينه استعاره واستعاره مكنيه. دونك هنا سي با لا ميم شوز. انفورماتيف، لا فيزي انفورماتيف، لا فيزي كومونيكاتيف. دونك هنا عطيتك من الخصائص، دونك نروحو لا فيزي، نهضرو على فيزي اون طون كو فيزي. دونك لا فيزي انفورماتيف لوسكو لوتور اي اوبجيكتيف. Il se contente seulement de fournir des informations sur le temps, les dates, les lieux où s'est déroulé, où on est à tout à l'heure, le fait, ce qui s'est passé, les personnages qui ont contribué à ce fait, etc. La visée argumentative, lorsque dans un écrit, l'énonciateur vise à rendre hommage à une personnalité historique, par exemple Massinissa de l'année passée, Zohra Drif, la femme algérienne dans la guerre d'Algérie. Donc, il faut que je rende hommage à la guerre d'Algérie. Le texte, l'auteur, une personnalité historique, il fait l'éloge de cette personnalité, il s'agit d'un lexique amélioratif, positif. Commémorer une date, par exemple 1er novembre, 11 décembre 60, comment le savoir? Il est en train de commémorer une date lorsque la date de publication est comme la date, c'est-à-dire la date du... du fait relaté. Tu le gars, par exemple, le texte, il y a le 1er novembre 54, ou tu le gars la date, les mains, la source, mais tu le gars, neuf la date, sauf l'année, mais chez kif. Donc, comment le savoir lorsque la date de publication est comme la date de l'événement relaté. Il y a une chibah là. Goulna, il y a le 1er novembre 54, ou l'article avec Mektoub. Le 1er novembre 2021. Donc, là, c'est commémorer une date. Glorifier un événement. Par exemple, les manifestations du 17 octobre 61. Glorifier. Regardez l'événement, les manifestations, je confie les manifestants, etc. Là, c'est glorifier un événement. Dénoncer un acte ou un comportement. Là, tchendid bi fel ou la bi un comportement, yani. Comportement, etc. Par exemple, dénoncer la torture du peuple algérien, durant la guerre de libération nationale, emploi d'un vocabulaire péjoratif, tortionnaire, horreur, sanguinaire, sans pitié, inhumain, terreur, terrorisé, sauvage, sauvagerie, etc. Lorsque l'auteur dénonce, il s'amène un lexique négatif. Lorsqu'il glorifie, il rend hommage, il s'amène un lexique positif. Regardez-moi, c'est des astuces que je vous donne. Remarque, il existe des textes dont la visée est purement informative. Mais, généralement, les sujets proposés au bac, on trouve la visée informative et argumentative à la fois. Yanni Tilga, les sujets, certains textes, l'auteur par exemple, informe sur les manifestations du 8 mai 45 et dénonce, qui le texte tient le manuel, et dénonce le caractère sauvage du colonisateur. Donc là, on a deux, informé et argumentative, on a fait à rendre hommage, dénoncer, etc. Exemple, informer sur le déroulement des manifestations du 8 mai 45, dénoncer les actes commis par le colonisateur français. Troisième visée, on a témoigné. Je regarde le texte, l'auteur témoigne sur sa participation à la guerre d'Algérie, par exemple. Je regarde l'auteur, ou peut-être chède, ou peut-être le personnage. هو اللي كتب لو تيكست وهو اللي قاعد يشهد على هذاك الحدث اللي قاعد يحكي عليه. ولا رابورتي ان تيمونياج امبلوا دو جو لي دو نلقاو فيهم لو جو. مي كيفاش نعرفوا بلي لوتور تيمواني سور تيل شوز؟ كيكون هو لوتور، هو الشاهد، هو اللي قاعد يتكلم. لو جو يرجع على لوتور.
وكيفاش تلقاها هنايا عندكم دي زانديس دي فوا في لو شابو وعندكم دي فوا دي زانديس يعني علامات في لا سورس. دوك نعطيكم دي زيكزامبل وهنايا رابورتي ان تيمونياج تلقى تاني كيف كيف عندك دي زانديس كو سوسوا في لو شابو ولا في لا سورس يبينوا لك باللي اللي كتب لو تيكست هنا مش هو الشهاده راهو جاب برك شهاده نتاع تاع شخصيه تاريخيه. نزيد نروحو لوتور دون لو تيكست ديستوار اي عندها علاقه معاها. il peut être un historien exemple محفوظ قداش بنجامين ستورا. On retrouve la date d'édition, l'année uniquement. Tu as ED, ou l'édition, ou tu as rire l'année. Et peut-être un journaliste. Qu'est-ce que je trouve les journalistes? On trouve la date complète accompagnant le nom du journal et celui du journaliste. Exemple, le jour, le mois et l'année. Donc là, le texte est écrit par un journaliste. لا باسكو ليستوريان كي يكتب كتاب ما يقدرش يالف كتاب في نهار. كتاب راهو يجيب سنين باش يقدر يطبعو ويخرج الطبعه الاولى والثانيه اكسيتيرا. لوتور بوتيتر ان تيموان شاهد وهذه اللي كنت نتكلم فيه دركا في لا فيزي. بارفوا لو شابو او لا سورس مونتر سي لو تيموان اي لوي ميم لوتور او نو. دونك ان تيموان يقدر يكون ان بيرسوناج يقدر يكون شخصية اللي عاشت الحدث. دونك ان بيرسوناج كي ا فيكو لو في او ليفينمون امبلوا دو جو لو نو اكزامبل دلفين بور ميموار لوتور تيموان اي بيرسوناج il témoigne et exprime ce qu'il a ressenti. Le texte دلفين بور ميموار في لو مانوال سكولير هنا لوتور il est témoin هو بدات شاهد. ولا عندنا لوتور لو تيموان il rapporte ولا لوتور il rapporte le témoignage d'une personne. هنا لوتور rapporte le témoignage, l'auteur rapporte le témoignage d'une personne. Yani jebel na shahada nta shakhs d'un témoin de l'événement, tia shahad ala hadat. Emploi du jeu, les deux ne confirment le jeu. Ici le jeu renvoie au personnage témoin et non pas à l'auteur. Hna le jeu renvoie à l'auteur. Exemple, texte du bac 2020, série sciences naturelles, le personnage roi Goussem Medani. Ou hnaya andi bac, donc on rajoute hnaya bac 2020, lettres et langues. Lettres et langues. Avec le texte li yahki ala le colonel Amirouche, l'auteur Amirouche. لي كي جابوا له الخبر نتاع لو كولونيل عميروش كيفاه كي مات كيفاش ولا يحكي لنا كيفاش تلقى هذاك الخبر وكيفاش دار فلاش باك ورجع اون اريير وتفكر سون بروف دو فرونسي كيحكي له على زاباتا بلي كان انسان ما يقدرش يوصلوا له دونك ايتي دير اون كومباريزون بين زاباتا اي لو كولونيل عميروش. دونك هنا لوتور اي لي تيموان باسكو هو اللي عاش الحادثه نتاع المقتل نتاع لو كولونيل عميروش. Donc ça, c'est dans le texte histoire. Et d'où les points de langue, les accents, il y a beaucoup d'amis depuis le mois d'août, où on a les points de langue, les annas en terminale. Bon, pour le projet texte d'histoire, les points de langue, on a premièrement les temps verbaux. Il y a les verbes. Les verbes, ils sont à quel temps? On a le passé simple, puisque c'est un texte narratif. On a le passé simple. Le passé simple, il sert à relater des événements successifs, il y a les ferlour à l'okhur. Qui se succèdent, on le reconnaît par les terminaisons. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les terminaisons. Alors, le premier groupe, on a A, I, A, S, A, AM, AT, R, comme il tomba. Deuxième groupe, IS, IS, IT, IM, IT, IR, comme il finit. Troisième groupe, IS, IS, IT, IM, IT, IR, comme il partit. US, US, UT, UM, UR, ut et ur il voulut a i a s a am at r comme il dormait. Yani kima la terminaison du premier groupe. Donc moi c'est pour les terminaisons. L'imparfait ana si le temps de description le wasf et de relation de fait prolongé. Maintenant, qui est l'auteur, il y a un fait, un fait qui a été, qui s'est déroulé dans le passé et
qui a duré longtemps, yani hkem waqt twil, يستعمل l'imparfait, c'est-à-dire un fait qui dure dans le passé. واش هي الفايده تاع لي طون هادوما كي يطلب منك تكتب ان تيكست ديستوار؟ ها هما لي طون اللي تحت تستعملهم. لكن رايح تحكي على افعال فعل ورا فعل تستعمل لي باسي سامبل، لكن رايح توصف ولا تحكي على فعل كي ا دوري لونطون دون لو باسي تستعمل لامبارفي، لكن رايح تستعمل حب باغ اكزومبل حبت tu fais revivre l'événement تحب تخلي لو ليكتور يعيش الفعل ستاتيغ ليفينمون هذاك تستعمل لو باسي le présent de l'indicatif en bas de l'ouhoulou. Donc les terminaisons, premier groupe AIS, AIS, AIT, I, O, N, S, I, E, Z, A, I, E, N, T. Deuxième groupe I, 2 S, A, I, S, I, 2 S, A, I, S, I, 2 S, A, I, T, I, 2 S, I, O, N, S, I, 2 S, I, E, Z, I, 2 S, A, I, E, N, T. Troisième groupe AIS, AIS, AIT, I, O, N, S, I, E, Z, A, I, E, N, T. Ils partaient, nous partions, par exemple. Le plus que parfait ou le plus que parfait, il marque l'antériorité. Ça veut dire quoi l'antériorité? Où je mène à l'antériorité? Exemple, les Français ont torturé les deux femmes qu'ils avaient arrêtées. On a des deux actions. La première est au passé composé, la deuxième au plus que parfait. Donc, on est allé à Tesk Belokhra. Les policiers ou les Français, ils ont arrêté deux femmes. ما نقدرش نقولوا عذبوهم ومن بعد حكموهم دابور ومن بعد عذبوهم. دونك وين لاكسيون اللي عدات قبل الاخرى؟ لاكسيون داريتي اي افون لاكسيون دو تورتوري، يعني القبض كان قبل التعذيب. دونك لاكسيون اللي قبل اون اكسيون باسي اللي تجي هي الاولى نحطوها في لو بلو كو بارفي. دونك Ils ont torturé les deux femmes qu'ils avaient arrêtées قبل la torture, bien sûr. Donc l'action d'arrêter est antérieure. Donc l'action d'arrêter est antérieure, c'est-à-dire, où je mène ça, qu'elle est passée avant une autre action qui, elle aussi, s'est déroulée dans le passé. Adhérer à l'antériorité. Le présent de narration, le présent historique, c'est un présent de l'indicatif. Il sert à relater, à narrer. L'auteur a recours parfois à ce temps verbal pour actualiser les faits, les faire revivre. Même le hadith d'Asraf, le filmadi, dans le passé, des fois, il utilise le présent, avec l'événement. Le futur de l'indicatif, on peut aussi trouver le futur simple dans le fait. L'histoire, que vous dire que la haja sera sur le futur, mais dans le passé. C'est pas. Il y a le temps, Adam, mais on ne le trouve pas. Il y a beaucoup dans le texte. L'histoire, Habib Barkin Kilim Kimalie. Donc, la tournure passive sans complément d'agent. Bon, la tournure passive sans complément d'agent. Parfois, l'auteur utilise la tournure passive pour nous informer sur un événement. Bon, donc, de la même chose, c'est un détail. Bon, je roule un document, les filles d'Oros Kemlin, mais sans texte, il y a une explication de tous les points de langue, toutes les caractéristiques du texte d'histoire. Alors, parfois, l'auteur utilise la tournure passive pour nous informer sur un événement. Il y a une information, la tournure passive. C'est une marque d'objectivité. Exemple. La guerre de libération fut déclenchée le 1er novembre 1954. Là, il y a un sujet, etc. Il dit que c'est la phrase qui phrase qui est pour une lecture active ou la lecture passive. Il y a par exemple une phrase elle est passive, elle est active. On dit d'abord l'analyse de la phrase. Sujet, ça le sujet. سطر عليه في البروين تاعي روح لوكسيليير اتر نحط لو طون تاعو هاو لو باسي سامبل ومن بعد عندي لو بارتيسيپ باسي دونك سي لو فيرب اتر ديكلونشي دونك انا كي نلقى اتر معناتها سي اون فورم باسيف لو 1er نوفمبر سي ان انديكاتور تمبوريل دونك كيفاش نرد هنا في لا فورم اكتيف هنا ما عنديش لوتور ما قاليش بار كي Mais la guerre de libération fut déclenchée par les Algériens. Quand on dit par les Algériens, on met les Algériens. Mais comme on ne dit pas par qui, on met le sujet en.
دونك اون ديكلونشا لو فيرب نحطو في لو طون ديال لوكسيليير. شوفو مليح ها هنا لو اون انا ما عنديش هنا انا شرحتها لكم. وبعد لا غير دي ليبراسيون شولات ولات كومبليمون دوبجي direct. On déclenche à quoi? On déclenche à la guerre de libération quand le 1er novembre 54. Elle est la structure de la phrase active. Le on, donc on utilise le on quand le CO, le complément d'agent est effacé dans la phrase. Tout est écrit. Comment passer de la forme active à la forme passive et l'inverse? Allez, de quelqu'un déjà. Passage de la forme active à la forme passive. J'ai pris mes phrases actives, le passif. Le FNN a organisé une grande manifestation le 8 mai 45. Sujet, verbe passé composé, une grande manifestation COD quand c'était le 8 mai 45. Donc, le complément de lieu ou de temps, je vais le faire. Je travaille pas avec. Donc, le COD yirja sujet, le sujet yirja complément d'agent, il y a le verbe. Le verbe, je vais dire, le verbe chauffe le temps ou le temps passé composé, a organisé, verbe passé composé. Là, j'utilise l'auxiliaire être fut le temps de la phrase. On a passé composé, c'est être au passé composé, plus le participe passé du verbe de la phrase, avec l'accord. Par le FNN, le 8 mai 45, l'indicateur temporel, donc, elle dit pour le passage de l'actif au passé. Je vous la croix, elle dit. COD déjà sujet, sujet déjà complément d'agent, le verbe être au temps du verbe plus participe passé du verbe. Donc, pour passer de la forme active à la forme passive, le COD devient sujet, le sujet devient le complément d'agent. Pour le verbe, on conjugue être au temps de la phrase active plus le participe passé de ce verbe en l'accordant avec le sujet. L'inverse, yani le passif, l'actif. Donc, quand vous avez une phrase passive, vous pouvez dire active ou réécrire la phrase en la commençant ainsi. Vous pouvez dire que vous avez une phrase active. Ou l'inverse, vous avez une phrase active, vous pouvez réécrire la phrase en la commençant ainsi. Vous pouvez dire que vous avez une grande manifestation, vous pouvez dire la phrase. Donc, vous pouvez dire que vous avez une question. Est-ce que vous avez une question de l'actif? Le passif ou la talib minnek tu rohmel passif l'actif. Donc kifach rohona la forme active, la même chose avec la même méthode. Nahakmo le sujet nsatrou li ha sujet qui lui zat igilarise quoi ou sera la elle fut torturée ha ou fi'l ha quoi fut torturée par qui par Graziani ou dans une villa hada sisyan nkhliwa ma ndourouch bih ha bima nkhdem. Donc, Graziani, complément d'agent, j'ai un sujet. Sujet ou chirja, complément d'objet direct, touche prali, prali le verbe, roh l'auxiliaire, chauffe l'auxiliaire, il y a quel temps? Ah, ouf le passé simple, fut. Donc, on chote le verbe torturer au passé simple. Ma sujet heda. Graziani tortura Louisette et Guélarise dans une villa à Alger. Naoud helk. عندي فراس باسيف راح ردها اكتيف. واش نشوف هنا لازمني نلقى لي بارتي اللي راح نخدم بهم لا فراس. وحنا قلنا اليوتيوب هذا معمول بور دي زيليف كي اون دي ديفيكولتي. يعني هنا نبين لك واش هي لا بارتي اللي راح تخدم بها. لازمك سوجي فيرب كومبليمون داجون. ها هو سوجي ها هو لو فيرب ها هو لو كومبليمون داجون. دونك لو كومبليمون داجون واش يرجع يرجع لو سوجي. Le complément, le sujet au chirja, yirja COD. Khali place le verbe, je ndir, rouh l'auxiliaire. Wach mon temps, raho au passé simple. Donc, nhot le verbe au passé simple. Nelga au présent, nhot le verbe au présent. Nelga au plus que parfait, nhot le verbe au plus que parfait. Nelga au futur, nhot le verbe au futur, etc. Plus là, le participe passé du verbe conjugué, bien sûr, avec l'accord.
Donc, pour passer de la forme passive à la forme active, le complément d'agent devient sujet, le sujet devient le COD pour le verbe et se conjugue au temps de l'auxiliaire être de la phrase passive. Voilà, donc ça c'est pour la forme passive et active. Maintenant, on passe au discours indirect. On arrive maintenant au style direct ou le discours rapporté direct et indirect. Alors, dans un texte d'histoire, l'auteur peut insérer les témoignages des personnes qui ont vécu l'événement. Yani, le texte entier, l'auteur peut dire que les gens qui ont vécu l'événement, les gens qui ont vécu l'événement, les gens qui ont vécu l'événement. Alors, pour cela, il utilise le discours rapporté direct ou indirect. هنا يستعمل لو ديسكور على نقولو ديسكور رابورتي عليه يعني هنا معناتها المقال القول هذاك اللي عاودو لوتور في لو ستيل ديريكت بطريقه ديريكت ولا انديريكت ديسكور ريبيتي يعني رابورتي يعني ريبيتي pour plus d'objectivité يعني الموضوعيه لوتور يفضل لو ديسكور ديريكت باش يكون موضوعي يجيب القول كيما قالو هذاك الشخص. Le discours rapporté direct, lorsque les paroles sont répétées telles qu'elles ont été dites, qui redou l'aqwal hadouk, aoudhem l'katib, kima t'galou, yani kima galethem shakhsiya. On emploie un verbe de parole, nsamlou un verbe libin billi le shakhs hadak t'kellem, nsamlou un verbe de parole, comme par exemple dire, témoigner, avouer, déclarer, etc. Les deux points et les guillemets. Donc les deux points, mais pas à chaque fois les guillemets, c'est un discours rapporté direct. Parce que le cadre, qui m'a fait le texte Histoire du 8 mai, on a entre guillemets les slogans, c'est vrai, c'est des slogans, c'est pas des témoignages. On a même un mot, l'auteur entre guillemets, pour dire je suis pas d'accord pour le mot, mais je le mets. C'est un indice de subjectivité. Mais il faut faire très très attention là. Maintenant je vous explique qu'il fait le discours direct hatta le discours indirect. Donc passage du discours direct au discours indirect. Donc pour le discours direct on a la ponctuation les deux points les guillemets je voulais on a que lorsque la phrase est déclarative qui maintenant la phrase Henri Benzette avoua que c'est à la suite, je vous le texte Histoire du 8 mai, c'est à la suite que les bagarres commencèrent à voir Henri Benzette. Que le rouf le style indirect, ne que la personne d'abord dit qu'elle met, c'est le verbe de parole, on va le que, c'est à la place des guillemets. Donc, on met le que, parce que la parole, c'est le qu'il le dit Henri Benzette, c'est une phrase déclarative. Donc, on a allé c'est ou l'être c'était. C'était. Parce que là, gel c'est le présent. Ou là, il y a le verbe andi avoir, il est au passé. Donc, le présent, il y a imparfait. Donc, andi qaïdan tbqa. Henri Benzette avoua que c'était à la suite des interventions de la police, que les bagarres commencèrent. Ou les guillemets, il y a deux mots qui sont en train de se faire. Parce que nous avons la parole le style indirect. Que tu as la parole une phrase interrogative totale, réponse par oui ou non, on remplace les guillemets par si. Mais là, ce n'est pas évident dans un texte d'histoire, mais il y a un témoignage, il y a une question, là, c'est vraiment, je suis ébéida, il y a une merde. Mais si, généralement, il y a des phrases déclaratives. À moins que on a posé une question à le texte ou là, là c'est à vous de bien lire le texte. Remarque, dans le texte d'histoire, l'auteur donne des informations, donc les phrases sont déclaratives. Il y a la remarque, c'est quelqu'un, et je l'ai encadré. Voilà, parce que l'auteur informe déjà. Donc, du fait qu'il est en train d'informer, là, il utilise des phrases déclaratives, donc des phrases déclaratives, les témoignages. Les pronoms personnels, on a je, auteur, témoin, ou les je,
je lorsque l'auteur apporte un témoignage ou les il ou la elle même c'est que l'auteur y a dans le nefs le jeu il prend jeu كود لي هضر على جابنا تيمونياج شهادة تاع انسان خلاف لو جو بيان سور هنا راح يولي ايل ولا ال ولا ايل افيك اس او بيان ال حسب لو تيكست دونك لي برونون بيرسونيل هذيك الضمائر شانج سولون لا سيتوياسيون دينونسياسيون لا سيتوياسيون دينونسياسيون ستادير دابري كي بارل اي اكي Voilà, une chose m'a خليتها لكم, je vous ai tout expliqué et ou la كان كاش ما كاينه حاجه نسيتها ولا vous trouvez que je m'a حطيتهاش في le résumé اتصلوا بيا ولا vous m'écrivez dans les commentaires ان شاء الله نعاود نستاجر نوضحها لكم دوك نروحوا لي طون فيربو يعني لي طون دي فيرب Les verbes annaf le discours direct, on a la partie du discours direct, on a le discours indirect. Donc on a deux cas. Le temps, on a deux cas. Le premier cas, c'est le verbe de parole au présent. Le verbe avec les bien, les chars, c'est qu'elle n'aime pas le haja. Au présent, on n'a pas de changement. On n'a pas de changement. Mais tu bedlouch le temps. Il te bedlerait la conjugaison comme le sujet, il te bedel. Le jeu ou les il par exemple. Ah ouais, mais tu bedlouch la terminaison, tu as le jeu. Donc, tu as la terminaison, tu as il. Deuxième cas, le deuxième cas, on a le verbe de parole au passé. Qui connaît le verbe de parole au passé? On a dit que entre parenthèses, il y a imparfait, passé composé, passé simple, plus que parfait. Quel est certain temps qui change? Mais je colle qu'il y a un certain temps qui change. Présent devient imparfait. Passé composé, le style direct, il y a un plus que parfait. Le futur simple, il y a un conditionnel présent. Et le futur antérieur, conditionnel passé, première forme. Donc, les temps imparfait et passé simple ne changent pas. On s'attend que maintenant ne est pas. J'espère que c'est clair. Maintenant, le rôle des procédés explicatifs au service de l'information. Dans les textes, d'ailleurs, nous avons ou les sujets de bac, nous avons des questions dans le genre de, il y a qu'une phrase, dans cette phrase, s'agit-il d'une énumération, d'une explication, d'une comparaison, etc. Là, c'est les procédés explicatifs. Donc, les procédés explicatifs étudiés en première AS et deuxième AS sont en première année et deuxième année. On a la définition, l'illustration, la dénomination, l'énumération, la reformulation, l'analyse, la caractérisation, la comparaison, la précision et l'explication. Donc, la définition est tarif, l'illustration, c'est lorsque l'auteur donne un exemple, medmitel. La dénomination, c'est lorsqu'il dénomme, on a dit le radical non. Qui met de tchesmiya, n'tihaja, qui fait chensemmiwa. L'énumération est lorsqu'il établit la liste de plusieurs éléments. Il y a une idée, les qa'ima, plusieurs éléments. Qa'ima, chia, ou la asma, ou la idée, les qa'ima, certaines actions, afael, là c'est une énumération. La reformulation, c'est lorsque l'auteur dit autrement. Il y a des choses qui le font, il y a des informations, mais il y a des choses qui le font. On a l'analyse, il y a lorsque l'auteur يتكلم على حاجة هو الخصائص نتاع الحاجة لا كومباريزون كي يدير مقارنة ولا مقابلة يقارن بين حاجة وحاجة يقارن بين شخصية وشخصية باغ اكزومبل لا بريسيزيون لورسكي بريسيز يبين باغ اكزومبل يقول لك ان غران بورسنتاج دالجيريان اي سورتي لو 8 ماي Un grand nombre, par exemple, d'Algériens est sorti le jour du 8 mai, mais il y a 45 000, par exemple. Il y a 45 000, c'est pour préciser. Il y a un détail, il y a une explication, il y a charah. Mais en troisième AS, dans le texte d'histoire, l'auteur utilise parfois les procédés d'énumération, de comparaison, d'illustration.
L'explication possible, mais c'est pas banal. La définition impossible. La dénomination aussi. On n'a jamais rencontré une dénomination dans un texte d'histoire. Mais les procédés les plus utilisés dans un texte. Classement, l'énumération. Les textes d'histoire. Donc, énumération, texte et histoire du 8 mai 45. Le texte histoire du 8 mai 45, Anna, l'auteur, Anna, elle a femme, enfant, vieillard, tous tombèrent innocemment. Tous aiment, hein, innocemment, j'ai pas fait attention, innocemment. Donc, l'énumération, hein, femme, enfant, vieillard. Nous 1, 2, 3, des virgules. En première année, on a l'énumération avec des tirets. Mais là, le texte d'histoire, il va pas, l'auteur, des tirets, femme, tirée femme, tirée enfant, tirée vieillard, il s'amène l'infini, c'est le jumelage, mais des virgules. La comparaison à l'exemple du premier, le procédé. Qui dit qu'il y a un exemple, tu vas directement mettre une illustration. C'est ce qu'il y a. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'est un exemple. Dans cette phrase, s'agit-il d'une illustration, parce qu'il y a un exemple, d'une énumération, d'une comparaison. Donc là, c'est une comparaison. Voilà. Ici, le mot, pardon, exemple, n'introduit pas une illustration. Ce n'est pas parce qu'il y a des exemples, mais c'est une illustration, mais une comparaison, car l'auteur compare l'événement du 8 mai à celui du 1er mai. Je vous dis, à l'exemple du 1er mai, bon, j'ai pas le livre juste à côté. À l'exemple du 1er mai, les manifestations du 8 mai eurent un caractère pacifique. Yani, le mandat à la 8 mai, qu'est-ce que pacifique, qu'est-ce que c'est le hakima, le mandat à la 8 mai. Donc, là, c'est une comparaison. J'espère que nous faisons lire le procédé explicatif de comparaison. Surtout, on a le mot à l'exemple. On a dit, c'est ce qu'il a fait. Donc, les deux étaient pacifiques. À l'exemple de 6, les indicateurs spatio-temporels. Bon, les indicateurs spatio-temporels, là, on va pas s'attarder. Les indicateurs spatio-temporels, par exemple, 8 mai 45, 1er novembre 54, emploie d'autres indicateurs comme 2 ans après, 10 ans plus tard. Maintenant, les mcmtcholo, qui a été par exemple 2 ans après, ou 2 ans, 10 ans plus tard, les mcmtchouf la date, les handek le texte, ben je t'le la date, c'est à l'événement. Parce qu'il y a des rigolos 2 ans après, signature des accords d'Évian. Ça ouvre le texte, hâte-t-il une date, qu'avant la signature, dit bahem. Donc, qui dit le bahemien, il y a un événement sera 56, on va dire que 2 ans après. 2 ans après, il sera. Donc, il sera amin, on aura 56. Donc, tu as l'année 58. Donc, il dit pour les indicateurs temporels. On arrive maintenant au lexique. Bon, je vais comme lexique de la guerre, lexique des faits divers, lexique. Plusieurs champs lexicaux. On a la répression, la révolte, l'extrémisme, etc. Bon, la halqaram avec la traduction en arabe. Donc, la guerre. Bon, la guerre, on a le mot armée, manitsa jaysh ou la juyouj. L'arme, silah ou asliha au pluriel, chef, grand officier, qaïd. Guerre, harb ou hurub. Attaque, le hujoum. La défense, pardon, ou défaire. Ministre de la Défense ou Wazir Défaire, chef d'état-major ou Raïs l'Arkan, division Firqa ou Jama Firq. Anna brigade Liwa ou la Jama Luya, bataillon facile ou Jama Fasail, phalange Ketiba ou Ketaib. Bon.
عندي بتايون بون كولون تابور او جمع طوابير، القوات الجويه لافياسيون، مارين قوات البحريه، لارمي دو تير قوات البريه، الاسطول هو فلوت، لافيون طائره ولا الطائرات، تانك هو الدبابه او الدبابات، لو كانون مدفع. هادو كل لي مو فو بوفي لي تروفي دون لي تيكست. فوزي صاروخ او صواريخ، ميسيل قذيفة أو قذائف، بورت أفيون حامل الطائرات، سومارين غواصة، البارجة باتيمون دو كير سفينة الباخرة نافير، إمباركاسيون باردون إمباركاسيون أو باتو قارب مركب أو زورق. عندنا هنا سيارة برمائية، عندنا فونتاسان هي المشاة، السلاح الأبيض هو لاغم بلونش، بال هي رصاصة جمع رصاص، لا بومب هي القنبلة أو القنابل، سولدا جندي أو جنود. عندي أوفيسيي يعني ضابط أو جمع ضباط، لادجودون أدجودون نورمالمون عريف أو عرفاء. نروحو درك لو ليكسيك دو في ديفير يعني الأحداث. دونك عندي كريم، غادي يكون سي شون ليكسيكال ديال لاغيغ، جريمة أو جرائم، كريمينال إجرامي، ميم لاغيغ، مورتر جريمة قتل، تيور مورتريي، أساسان قاتل جمع قتلة، أساسينا اغتيال جمع اغتيالات. هنا نقدر نبدلو في ديفيغ باغ لاغيغ أو لا مور سي فولي لاغيغ. لو فول هو جريمة السرقة، مي هنا لو فول نقدر نلقاو في لي في ديفيغ. دونك فولور سارق، بيك بوكيت هو النشال، لو فيول الاغتصاب، المعتدي لاغريسور ولا لو فيولور. عندنا لا فيكتيم هي الضحية جمع ضحايا، اغريسيون سيكسويل اعتداء جنسي، هارسيلمون سيكسويل التحرش الجنسي، اسكروكري احتيال نصب، اسكرو محتال نصاب، اكستورسيون هو استبزاز. عندنا هنا فو دو فان او دوسو دو تابل هي الرشوه، لي دوسو دو تابل، لا تريشري هي الغش. عندنا تزييف هو فيغ ان فو، مزيف فوسور ولا مزيف، فوس موني هي عمله مزيفه، ديفاماسيون تشهير، ديلي جنايه، عصابه هي اون بوند غانغ، ترافيك دو دروغ تهريب مخدرات، ترافيكون مهرب، تهريب أسلحة، ترافيك دارم. وهنا ننصحكم مي شيغ زيلاف، روحوا دو طون زون طون كي يكون عندكم دو طون ليبر، عاودوا شوفوا لا فيديو جيسكا لا فان، باش هادو الكلمات تبقاو شافين عليهم ويرسخوا في الذاكرة نتاعكم. مارشون دارم تاجر أسلحة، انليفمون هو الخطف، بريز دوتاج اختطاف رهينة، اوتاج رهينة جمع رهائن، بايمون دون رونسون دفع فدية، الثأر هو لا فونجونس. نزيدو دوكا نروحو للشون ليكسيكال دو لا ريفولت. لا ريفولت هي الثورة سي فولي، لو بوبل الشعب، لا ناسيون هي الأمة، لا ماس بوبولير ولا فول هي الجماهير، سوليفمون انتفاضة، انتفاضات جمع، ريفولوسيون ثورة جمع ثورات، ثورة مضادة هي كونتر ريفولوسيون، تروبل إيموت هما اضطراب اضطرابات ولا أحداث، روبيليون ولا ريبيليون موتينري تمرد، موتينري أكت دو ديزوبيسونس ولا عصيان، لو سيتين أو بلوكاج اعتصام، أورت أو أكروشاج والاشتباك، مظاهرة مظاهرات هي مانيفستاسيون، تظاهرات يعني نقولوا تظاهره، لا مارش هي المسيره، لا غريف هي الاضراب، لا غريف جينيرال هي الاضراب العام، احتجاج بروتيستاسيون، بروباغاندا دعايه سياسيه، اوبوزيسيون المعارضه، لا لوت هي النضال، الكفاح اوسي نقدر نقولوا النضال ونقدر نقولوا الكفاح، الشغب تروبل الاوردر بوبليك، اوبينيون بوبليك هي الراي العام، لا ترايزون هي الخيانه، لو بروسي المحاكمه، فيو ريجيم العهد البائد. وهنا المحاكمة نقدر ما نلقاوها في لو ديبا ديدان في البروجي دو،
vieux régime l'Ahd al-Ba'id, ancien régime Nidab al-Sabiq, conseil de la révolution Majlis al-Tabra, chef de la révolution Qad al-Tabra. Ruhu durka le champ de la répression al-Qam'a. Hadi w nlqawha bzaf fi les textes. Ana arrestation, verbe arrêter ou l'attiral, procès jugé muhakama, procès équitable juste muhakama adila, procès arbitraire yani muhakama ashwaiya, semblant de procès muhakama souriya, tribunal révolutionnaire muhakama thawriya, un aveu atiraf ou atiraf ou jama atirafet, la sentence d'emprisonnement al-hukm bi al-sijn, la peine de mort et al-hukm bil maut, l'exécution al-irdam. Parce que quand il y a la peine de mort et l'exécution. La peine de mort est le hukm qui est le qadi. L'exécution est le tchenfid, il est l'irdam. Exécution par pendaison, l'irdam, shankan. Exécution par fusillade, l'irdam, ramien birrasas. Un châtiment ou l'iqab. La prison ou emprisonnement, al-sijn. Détention, incarcération, al-habs. Résidence surveillée, l'iqam al-ijbariya ou al-qasriya. L'exil, les champs de la Sijn, etc. Je comme d'autres vidéos l'année passée. J'ai fait le lexique de la Sijn ou de la torture, je crois. Je vais vous aider à voir les vidéos. L'exil, l'expulsion, la reconduite à la frontière, il y a le tasfir. Le gharama, il y a l'amende. Expropriation, il y a le moussadar d'amouel. Interdiction de manifester mena tadahur, couvre-feu mena tajawul ou la mena attijwal. Interdiction des réunions publiques mena l'ishima'at la hamma, surveillance muraqaba, la censure ya raqaba, appréhender, arrêter quelqu'un al-qabda'ala, arrêter quelqu'un al-qabda'ala, incarcérer at-taqala ou la ya'taqil, la loi martiale yel ahkam al-urfiya, l'état d'urgence hal tawari. Le massacre Majzara, Jema Majazir, massacre Medbaha, Jeba Medabah. Annahnaya, le chant de l'extrémisme, extrémisme, yani tatarruf, terrorisme Irhab, terroriste Irhabi, attentat Amal Irhabi, attentat Amalia Irhabiya, organisation terroriste Monadama Irhabiya, qui est l'OAS, c'est une organisation terroriste. Le mot, je n'arrive pas à le voir. Inquisiteur, voilà, qui s'arroge le droit de déclarer autrui infidèle à Dieu. شيبين باللي انسان راهو ماهوش مؤمن بربي سبحانه الناس بيو ان انكيزيتور تكفيري اوبسكورانتيزم دالامي فونداماليست اصولي باسيفيست فاناتيك متعصب متشدد واحد متشدد نقولوا ان فاناتيك جروب ارمي مجموعه مسلحه بيرسون ارمي مسلح ولا جمع مسلحون. Explosion, infijar, jama infijarat. Explosion, tafjir. Explosif, mutafajirat. Bombe, kumboula, jama kanabil. Qui joue de bombe avec S, yani kanabil. L'engin explosif, rubouwa. Grenade, kumboula, yedawiya. Mitrailleuse, rechèche, jama rechèchette. Pistolet, revolver. Moussaddes, jama moussaddeset. Agression armée, atida, moussallah. Attaque armée, hujoum, moussallah. À la belle, les mots sont bzaf, bsah, gid, ma tsmahem, kul yom tsmahem, rakah, tchfalihem, yani, à 90%. Voiture piégée, yassiyara, moufakhaha. Attaque suicide, hujoum, intihari. Sabotage, tchrib. Acte de sabotage, amel, tchribia. Assassinat, irtiel, jama, irtielet. On a le vocabulaire de la justice. Mzel obzef, les listes de vocabulaire. On a la justice.
ان لو جوج هو القاضي لو كونسي دو جوستيس مجلس القضاء لو بالي دو جوستيس دار العداله لا لوا هي القانون لا كور تريبونال محكمه جمع محاكم لو بروسي محاكمه لا سال دوديونس هي قاعه محكمه لو بون دي زاكوزي هو قفص الاتهام اكوزاسيون التهمه لاكوزي المتهم افير القضيه والله اللي مهاد وكل تحتاجوهم نلقاهم في لي تيكست بزاف افير هي القضيه افوكا المحامي بروكور جينيرال مدعي العام لا ديفونس هي الدفاع لاكوزاسيون الاتهام لو تيموان هو الشاهد وقريتوها في لو تيمونياج الشهاده هي تيمونياج لي جوري هما المحلفون لا سونتونس هي الحكم ولا جمع احكام كونداناسيون على بريزون الحكم بالسجن كونداناسيون ابي اون اموند حكم بغرامه كونداناسيون امور الحكم بالاعدام قلناها تو تالور كونداناسيون ا ريزيدونس الحكم بالاقامه الجبريه كي ريزيدونس سورفيي هي الاقامه الجبريه الحكم بالنفي هو لا كونداناسيون ا ليكزيل الحكم بمصادره الاموال هو كونداناسيون ا لا كونفيسكاسيون دي بيان كونداناسيون افيك سورسي الحكم مع وقف التنفيذ كونداناسيون بار كونتوماس حكم غيابي دوسيي دو لافير ملف القضية ريفيزيون دو بروسي إعادة المحاكمة متنو عندنا لابوليس لابوليس كاين كلمات عندهم علاقة بلابوليس لابوليس هي الشرطة لابوليس هي الشرطي كوميسار ضابط كوميساريا مركز الشرطة كوميساريا توجور القسم كيما نقولو في مصر عندنا غارديان حارس جمع حرس غارديان دو نوي حارس ليلي هادو ساهلين لي مو غارد فرونتيير حرس الحدود دوانيي شرطة الجمارك ميزون دو ديتونسيون هو الحبس اريستاسيون اريتي كيلكان القاء القبض على اريتي كيلكان القي القبض على ولا يلقي القبض على اريستاسيون هي الاعتقال اعتقال يعتقل اريتي ليبيغي غولاشي اطلق ولا يطلق سراح لونكيت هي التحقيق le relevé de l'enquête au mahdar al-tahqiq l'interrogatoire l'istijwab la sécurité la police politique l'amn renseignements généraux mukhabarat idam istikhbarat crime jarima jamal jaraim lieu de crime moqa jarima la fouille at-taftish on zid nrouh le dernier champ lexical qui est l'armée l'armée yani al-jaysh L'armée, الجيش, جمع جيوش, les militaires, l'asker, militaire askari, l'arme, سلاح, l'armée de l'air, سلاح الجوي, la marine, سلاح البحري, البحرية, soldat الجندي, l'officier, هو الضابط, l'adjudant, هو العريف, le sous-officier, نائب ضابط, lieutenant, ملازم, كاينين دي مود تعاودو هنايا, capitaine, النقيب, colonel, عقيد, général, العميد. ولا اللواء نقولوا اللواء لو مارشال نقولوا هو المشير ليتا ماجور هو هيئه الاركان هادو لي مو اللي تروف بوكو دون لي تيكست ايتا ماجور اكسيتيرا لو كون كازيرن معسكر جمع معسكرات ديفيزيون فرقه جمع فرق لا بريغاد ديال الكتيبه جمع كتائب فورماسيون دافيون سرب ولا جمع اسراب لو كانون هو مدفع لو شار هو الدبابه L'avion chasseur, ta'ira, j'aime ta'irat. Voiture, amphibie, yassiyara, barma'iya. La défense anti-aérienne, mitfa'a moudad lijaw. La fusée, hiya, sarouk, j'aime sawarik. Missile, qadifa, j'aime qadif. Bal, tir, talqa, j'aime talaqat. Min bal, yara, sasa, la bataille, al ma'araka. La guerre, hiya, harb, j'aime hurub. Force, kouwa. Commando, huwa, kouwat, assa'iqa. Voilà. J'espère que m'taoutialik mes chers élèves, wallahi hadi kamel rahi fil faida. Ntmenna inchallah tkoun chouftou la vidéo jusqu'à la fin. Min ykoun andek waqt mon cher élève, rouh hout la vidéo ou smaha ou aoudha, hout tankitman ou aoud sma. Wallahi à force de répéter, vous allez apprendre les mots hadou inchallah avant le bac. Bon, j'espère كنت خفيف الدلع عليكم جيو دون رانديفو بور اون اوتر فيديو على لا بروشين فيديو